Salut les amis, bon ben nous sommes jeudi 29 février et avec toute la petite famille, on va mettre en place la drisse de GV, dont on va la faire moufler du coup. Je vous présente notre nouvelle drisse, dont j'ai mis un poids pour qu'elle puisse avoir du poids au niveau à l'intérieur du mât. J'ai mis une gaine Dynema. Et avec un nœud de chaise en terminaison. Voilà, donc on va préparer tout ça. Vincent va m'envoyer en haut du mât. Océane va nous filmer et maman va récupérer la drisse. Alors aujourd'hui, on est quand même bien entouré parce que là j'ai Tiama, Steph et Béa. Et hier, s'est mis à notre mouillage, juste à côté de nous, le catamaran marin autour du monde. Donc, on a fait connaissance hier, ils ont des enfants et on va essayer d'aller à la plage cet après-midi pour qu'ils fassent plus ample connaissance. Voilà, en espérant que le temps s'y prête. Allez, donc tout en haut. Voilà, on prépare la chaise et tout et tout. Aujourd'hui 2 mars, nous sommes à Marigot, toujours à Saint-Martin. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Océane qui fête ses 9 ans, la petite, qui fait ses devoirs avec sa maman. Voilà. Et c'était pour faire un point concernant la drisse mouflée, etc. Donc j'avais dit dans une précédente vidéo que j'envisageais de le faire, de l'envoyer déjà désormais la grande voile. En direct non mouflé. Or, j'ai appelé Zetspar en France, dont c'est le fabricant du mât, qui m'a communiqué les coordonnées d'un gréeur ici à Saint-Martin. Donc, je suis allé le voir et on en a discuté de cette possibilité. Il m'en a dissuadé. Donc, j'ai acheté 63 mètres de drisse. En diamètre 12, donc pas en dynéma parce que c'est les prix sont encore inabordables pour nous, donc surtout 63 mètres, c'est un sacré budget. Donc on est reparti sur du textile polyester. Par contre, le gréeur m'a donné quelques conseils, donc déjà d'une. Ne pas concernant le mouflage, la poulie, il fallait non pas qu'elle soit pivotante comme elle l'était quand nous avons acheté le bateau, mais fixe
dans l'axe où on monte la grande voile. Et il m'a dit que ça allait régler pas mal de soucis, éviter qu'elle s'entortille justement en haut du mât. Et j'ai acheté également 70 cm de surgaine en dynéma, là par contre, que j'ai monté en haut, qui permet que si la drisse venait à s'entortiller, parce qu'on ne peut pas empêcher ce phénomène qui est naturel, à force de monter, descendre la voile, la drisse a la tendance à se vriller. Mais grâce à cette surgaine, ça permet qu'elle s'use moins, voire qu'elle ne s'use pas du tout. En ayant réglé ce phénomène de poulie bloquée désormais. Bon, on croise les doigts, on va être beaucoup plus attentif à ce phénomène, donc on va voir. Bon, là on a fait des super rencontres ici à Saint-Martin. Nous avons fait la rencontre de marins autour du monde, nous avons fait également, nous avons revu Steph alors, et Béa de Tiama. Nous avons revu Barbara et Serge. Donc voilà, nous sommes très contents de les avoir revus. Et nous allons lever l'ancre très prochainement pour les BVI avec Steph et Béa. Voilà, donc on reste encore quelques jours ici parce qu'il y a eu un sacré coup de vent cette nuit, jusqu'à 32 nœuds de vent. Ça a bien secoué, l'alarme s'est mise à sonner à deux reprises à 1h30 et 2h du matin. Mais il s'avère que j'avais réduit le cercle de sécurité parce qu'il y a quand même pas mal de bateaux ici. Que le bateau sorte du rayon de sécurité, donc ici la chaîne s'est tellement tendue qu'on en est sorti. Mais quelques secondes, et au petit matin, nous avons dit on pas du tout dérapé, comme on a une super ancre Rockna 25 kg. Donc le constructeur préconise, du moins le fabricant de Rockna préconisait pour notre modèle de bateau une 20 kg, nous avons opté pour la 25 kg, donc moi je suis super content de Rockna, ça pioche super bien, donc nickel, on est sur fond sableux, donc c'est nickel. C'est vrai. Je voulais vous partager ce panoramique magnifique de Saint-Barth. Alors si Pearl on ne le voit pas parce qu'il est derrière la montagne. On a mis le dinghy là, on a fait tout ça à pied. C'est une sacrée trotte. Et on continue. Nous voilà au rond-point qui donne directement sur la piste d'atterrissage de l'aérodrome de Saint-Barth. Alors c'est très impressionnant parce que des fois on peut voir sur des vidéos YouTube les avions, les coucous là, bimoteurs ou monomoteurs qui arrivent et qui frôlent pour atterrir. On va voir ce que ça donne. Wow. Elle est pas bien longue la piste effectivement. Magnifique mouillage là-bas. T'as vu Kiki? Ah, elle est partie. Elle est sur le rond-point, mais elle est folle. Elle est folle. Elle est plein milieu du rond-point. Peace and love, ça va? Hein?
C'est le balai, toutes les 30 secondes, il y en a un qui se pose. Celui-là, là. Bah regarde, franchement, on va se poser, non? Oh là là! Regarde, celui-là arrive. Celui-là essaye de se poser. C'est l'embouteillage à Saint-Barth. Mais c'est incroyable, regarde. Il vient à peine de se poser, celui-là, que l'autre va atterrir. Ça pique, t'as vu ça Vincent? Ouais. Comment il pique? Waouh! Et lundi 26 février. Nous sommes à Saint-Martin, mais côté néerlandais, où nous allons nous aller à Marigot à une heure d'ici. Donc la frontière n'est pas très loin, c'est au niveau d'un cap, je pense que ça va être celui-ci ou l'autre qui différencie les deux états. Pas mal de monde déjà, mais ça s'est bien couvert. Alors on a eu deux touches aujourd'hui, mais un s'est décroché et l'autre un gros barracuda énorme. Et on joue pas avec ça parce que la ciguatera, on préfère relâcher. Voilà, il nous tarde d'arriver et on va y rester une quinzaine de jours à peu près. On a pas mal d'amis là-bas, donc ça va nous faire plaisir de les revoir. Les enfants vont pouvoir revoir leurs copains également. Martin, où nous attendons notre pièce que nous avons commandée. Il y en a pour une dizaine de jours et donc on se promène aujourd'hui, on est dimanche. Dimanche quoi d'ailleurs? Dimanche 10. 10 mars. Et on... Là-bas c'est côté néerlandais et on commence à explorer l'île. À défaut d'avoir loué une voiture pour l'instant. Et on est à la recherche de langoustes, de coins à langoustes. Et là, c'est carrément ville fantôme à Saint-Martin. C'est incroyable. Alors, il faut savoir que Sea Pearl se trouve où tous les bateaux sont là-bas, hein, clairement. Mais là, je suis effaré. Ici, là. Ouf. Oh. Ah ouais. Attends, regardez bien où vous mettez vos pieds. Oh, il y a une belle tour de garde tout en haut. Ça devait être un hôtel. Tout a été défoncé, pillé, bien entendu. Oh là là. Allez, venez. Regardez bien où vous mettez vos pieds, s'il vous plaît. Là.
Vous avez vu la végétation, hein? Elle reprend ses droits, hein? Il y en a partout, hein? Eh bien, Irma, ça date d'il y a quelques années. Ouais. Vraiment quelques années. Sinon, mais non. Faites attention, là. Morceau de verre. Mais non, il commence à être déjà fait 7 ans. Oh là là, oh, quelle désolation. Oh, bon. Bon, allez, venez, on fait demi-tour. Tu mets ton pied, mets-moi la main, mets ton pied là, voilà. Les chaussures, tu les veux pas? Tu veux pas tes chaussures? Mais marche plus sur les pieds, elle te dira rien. Donne la main. On va rigoler. Je peux pas faire claquer tes chaussures. Non, parce que c'est que du sable. Voilà, comment je vais faire moi? Je filme. J'ai un pouce pas, je vais l'envoyer. Je filme parce que bon. Oh là là. Elle a fait hyper strike dans l'eau. Oui, mais je suis pas prête. Ah vite, là, c'est parfait, là. Il n'y a pas plus près. Donne. Ah, ça y est, c'est parti. Après le crabe. Allez maman. Ah bah défoncez-le. De loin on aurait dit des fleurs. Détends, hein? Ben oui, je suis détendue, j'en ai pas l'air, mais toujours aussi détendue. On vient boire un petit pot là. C'est Be Happy, c'est ça, la plage? Be Happy, c'est... Ouais. Ils ont plein d'or, ils ont... C'est, je crois que C'est la plage de l'amour ici. Super complexe. Ben là, on va dire là. Jonathan a déjà fait des connaissances, des copines. Alors aussi, elle est bonne? Ouais. C'est de l'eau douce ou c'est de l'eau de mer? C'est de l'eau douce. Elle est bonne aussi, Vincent? Ouais. Ouais. Pour moi, tu penses que ce serait un peu froide? Non, pour toi, c'est très bon. Elle sera très bonne. Allez, on va. Il y a un verre à consommer. Ok, il est bon.